Et le temps que je fasse celui-là, l'autre il a repopé. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Hein. Ah la vache. Ah, il y a de quoi péter un plomb. Ah bah quand même! Pas trop tôt! Avez-vous toujours le pas aussi lourd? Ah, je retourne à mon repos. Ok. La langue des fondateurs, contrairement aux autres langues, n'est pas statique. Elle est en constante évolution. Les sentinelles sont des créatures plus avancées que les simples glyphormes. Leur cheminement de pensée est complexe et les dote d'une résistance naturelle à la puissante magie des envahisseurs. Vous n'avez pas à me croire sur parole, vous pouvez le vérifier par vous-même. Dans cette grotte, vous trouverez un bibliothécaire. Transmettez-lui les formules que vous avez mémorisées, puis essayez le homme. Essayez le homme. Oh, ok, bon. Bonne chance. Imprégnez le bibliothécaire des formules obtenues, puis testez le pouvoir de votre homme sur lui. J'ai hâte de voir le résultat. Bah, il va devenir agressif. Oh non! Ah, je vais mourir. Envie de crever!
pourquoi je m'en doutais. Sophistiqué, plus la créature est résistante. Soyez bénis. Ok, tout ça pour ça. Cela répond à votre question. Oh, vous cherchez le moyen de résister à la magie de la domination. Je ne vais pas pouvoir vous aider, j'en ai peur. La langue des fondateurs ne fera que retarder l'inévitable. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que vous trouverez d'autres formules délicieusement complexes en langue des fondateurs dans les caveaux des sables infinis. J'aimerais pouvoir m'y rendre moi-même, mais les lieux grouillent d'entreliges. Bonne chance avec la suite de vos recherches. Allez voir le primeur dans la caverne géométrique. Ok, on y retourne. Advienne que pourra. Bon, eh ben on aura pas mal de... Ok. Et les... trois planches, là, parce qu'il s'est tourné vers les trois planches, du coup, dans cet ordre-là. Mais ça, c'était juste une animation, c'est tout. Rien à voir avec le homme, en fait, c'est ça? Bon. Bon. Et donc, la réponse, c'est ça. C'est plus ils utilisent un langage complexe, plus ils résistent à la domination. Non, faut pas que je saute là. C'est plus ce qu'il me semblait, il fallait continuer.
jumelle avec cette grotte là. À savoir où elle est. C'est le destin qui vous mène ici. Les congrégations doivent faire front commun. Quoi qu'il arrive, nous ferons front. La théorie du primat sur la langue des fondateurs s'est confirmée. Malheureusement, cela ne suffira peut-être pas. Pendant qu'il met au point son plan, nous allons nous rendre au cœur des sables infinis pour trouver des fragments de ce pouvoir et en imprégner le homme. Darion, Tella et moi, nous vous retrouverons sur place pour vous aider à faire face aux entreliges. Rendez-vous au surplomb déserté. Emportez le home dans les sables infinis et imprégnez-le du langage des fondateurs. Taelia et moi allons vous accompagner. Préparez-vous. La région grouille d'entreliges très puissants. Cool. Ouais, j'ai déjà en monture. Je peux pas. Faut aller là-bas. Et en vrai, je me dis. Alors, ouais, sachant que j'ai déjà en gros une partie du truc. Du coup, va falloir partir par là d'abord. Ici, de toute façon, si je peux suivre ce chemin, on va donc passer par là. Stylé. On va essayer de contourner ce mec là. Ok. Pour le moment, ça se passe bien. Ouais, qu'est-ce qu'il est ? Quelles sont les nouvelles ?
L'objet de nos recherches se trouve dans les caveaux des sables infinis. Pour les atteindre, nous comptons sur la force et le nombre. Ensemble, nous détruirons les autres liges. J'ai hâte de donner l'assaut. Souvenez-vous qu'ils seront vulnérables aux fragments brisés du homme de domination. Éliminez les entreliges dans les sables. Il faut restaurer l'équilibre. Je peux vous aider? Oui, il faut buter les entreliges, visiblement. À en croire Eru l'ancienne, nous pourrons trouver ici des exemples plus complexes des langues des fondateurs. Nous allons devoir nous battre pour atteindre les coffres qui et puis imprégner le homme avec les formules que nous aurons trouvées. Je n'aurais jamais cru avoir un jour la chance de me battre aux côtés de mon père. L'enjeu est grand, mais j'ai l'impression d'être à la place qui m'était destinée. Quand vous serez prêt, nous nous mettrons en route, récupérer les formules impénétrables. Alors, j'ai un mantelé. Qui ne change rien à ce que j'ai, du coup. Du coup, en vrai, on peut le vendre. 62, 32, 62, 56, 62, 79. Donc on prendra celui-là, le synchrone. Nous atteindrons notre but. Ah merde. Quelle est la situation? Je peux vous l'aider. N'oubliez pas, vous pouvez utiliser le fragment du home contre les entreliges si vous manquez de force. Bon. Marcheur, on va essayer de faire ça en une demi-heure. Qu'attendez-vous de moi? Je veux faire taire vos voix. Et en effet, du coup, quand ils sont sous domination, ils sont moins puissants. Votre cosmos est condamné. Putain, par contre, j'avoue, ils sont violents. Hein. Donc en effet, hein, ça les affaiblit énormément. Je veux juste pas me mettre au niveau du rip-hop. Hop.
fragments de coffre érodé. C'est nouveau ça? Ça marche pas, faut vraiment par contre qu'il soit en combat pour que ça marche. Bon, on est à la moitié de ça. Ce qu'il faudrait quasiment, c'est plutôt ouais, voilà, c'est ça. Par contre, tiens, attendez, il y a un méga coffre là. On va voir si on peut le récupérer. Sans sans surpoutrer. Hein? Ah. Ok, il me faut 5 fragments pour ouvrir les coffres. Ok. On va... Hop. Ce qu'on va faire rapidement, en fait, on va se concentrer sur les coffres. Et vraiment, si on a un ennemi qui attaque, on... Voilà. Je ne vais pas canaliser à fond. Toujours pas. Voilà. Voilà une. Mais cette formule n'a aucun sens. J'en ai la tête qui tourne rien qu'à la regarder. Cet effet que tu ressens, c'est ce qui te permet de résister à la domination. La confusion fait résister à la domination. Basiquement, c'est ça que ça veut dire. Putain, la vache. On va le récupérer, celui-là, accroche-toi Coco. Hein. Du coup, suivant. La voie est bloquée. Nous allons devoir forcer le passage. Come on.
Qui t'a appris à manier le marteau ? Le seigneur La Falaise, de Kul Tiras. Il a toujours été présent à mes côtés, en chair et en os. Ok. Seul là-bas, dans la couronne de glace. Il vous arrivait de penser à ma mère et moi ? Tous les jours. Ok. Oh le bordel. Ah, oh, je suis tellement dans le caca. Casse les couilles. Ouais, vas-y, let's go. Mince. Voilà, c'est réglé. Nous nous dressons ensemble contre les ténèbres. Ok, retrouvé au surplomb déserté. Mais d'où il m'aggro, lui ? Vous avez vu la distance à laquelle il m'aggro ? Je ferai mon possible pour vous aider. Prima nous convoque au bastion pour un rituel du souvenir. Entendu. Voyons quelles horreurs il va nous falloir revivre. Attendez. Putain, bastion, fortune de bastion. Bon. Je pense savoir ce qui nous sera demandé au bastion. Ça ne va pas être facile. Avec notre moitié de hommes, nous avons le premier élément qui nous permettra de résister à la domination. Cependant, certains d'entre nous en ont souffert, ont lutté pour y survivre. En un sens, elle nous a tous marqués.
Parmi nos expériences, il doit bien y avoir quelque chose qui nous aidera à nous libérer de l'influence de Zoval. Rendons-nous à la chambre de la première réflexion au bastion. Allez voir le généralissime Fordragon dans la chambre de la première réflexion du bastion. Nous devons aussi apporter les fragments restants du haut. Je peux les porter jusqu'au bastion, père. Bon, Bastion, alors. On va pas se casser la tête, hein. On va. Attendez, 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 attendez. On va en profiter quand même. On va prendre un tout petit peu de temps. Et je voudrais aller activer ça quand même. Je voudrais qu'on aille activer ça. On n'est pas très loin. L'avantage des arrêts Mortis, c'est que en vrai, c'est très petit, les arrêts Mortis. Attendez, attendez, c'est quoi ça? Il y a un fly? J'ai un fly. C'est lui là? Non? C'est au-dessus. Ok. Énergie cosmique. Bon, je sais pas trop. Il y a des trucs qui ressemblent à des fly, mais en fait, c'est pas des fly. C'est autre chose. C'est quelque chose qui est lié à la. Au secteur. Apparemment, faudrait qu'on arrive à accéder en haut, arriver à un moment. Du coup, hop, je voulais aller. Non, mais cassez-vous! Il est où? Là-bas. Bordel, il permet pas d'accéder aux autres. Bon, mais au moins, attendez. Je tente rapidement. Parce qu'au moins, je l'aurais découvert. Mais bon. C'est juste une passerelle en fait. Je pensais que ce serait un fly interconnecté, mais en fait non. Ah, et puis du coup. Ne traînez pas. Bon, de toute façon, c'est lié, ça peut pas être vendu à la jouée. Jor-El Haran. Du coup, Bastion, hein.
des objets uniques au monde. Juste devant moi, Bastion. Ouais, non, mais de toute façon, faut passer par le fly. Qui est là-bas. Les désavoués s'en prennent à notre colosse. Nous n'en avons que très peu. Vous devez à tout prix les empêcher de s'en emparer. Les désavoués s'en prennent à notre colosse. Nous n'en avons que très peu. Vous devez à tout prix les empêcher de s'en emparer. L'avantage, c'est qu'ici, je peux voler. Nos aspirants ont entendu parler de vos exploits. Vous pourriez peut-être leur faire une démonstration en public? Ces miroirs vont focaliser vos souvenirs afin de faire ressurgir les bons. C'est une manœuvre risquée. La magie de domination est particulièrement puissante. Nous devons puiser la force au fond de nous. C'est le seul moyen. Je pense que ce sera la dernière quête oui, pour ce... c'est le seul. Je suis prêt à souffrir 1000 morts. Si cela peut servir notre cause. Je pense que ce sera la dernière quête avant pour cette session de tournage. Et je reprendrai quand je reviendrai de clientèle du coup. La langue des fondateurs va nous être utile, mais nous avons une autre piste pour briser la domination, une volonté indomptable. Ceux d'entre nous qui ont subi la domination et ont survécu ont développé une résistance naturelle dont nous allons imprégner chacun des éclats. Le primat m'a affirmé que cela fonctionnera. Nous n'avons pas d'autre solution, c'est notre seule chance. Je pense que malgré les souffrances qu'il faudra supporter, le jeu en vaut la chandelle. Participer au rituel et imprégner les éclats de domination. Préparez le fragment. Ok. Bien pire. Vous pouvez lui résister à nouveau. Attendu.
savais que vous réussiriez. À mon tour. Je dois résister pour l'honneur des Mandraines. J'ai terminé. Ok. Laissez-moi essayer. Oui, bah vas-y, hein. Nous ne laisserons pas les ténèbres triompher. J'aurais aimé connaître l'existence de cet endroit plus tôt. Ici, on peut se purger de toute noirceur, prendre du recul et se débarrasser des souvenirs tenaces. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider à vaincre Zoval, quel qu'en soit le prix. Il n'y a pas d'autre solution. Participer au rituel imprégné. Nous arracherons la victoire. J'espère que tout cela servira à quelque chose. Qu'est-ce que... Non! C'est trop! Wow! Eh oh, on va se calmer. Je n'ai pas laissé. Anduin, on ne peut pas lui refaire subir ce calvaire. Vous semblez avoir du mal, jeune lion. Je vais vous aider à mettre les choses en perspective. Ah, cinématique. Je ne sais plus quand exactement j'ai repris le contrôle. Mais je n'oublierai jamais l'ivresse de la liberté, la clarté de mon objectif. Quand j'ai décoché ma flèche, j'espérais devenir à la fois son juge et son bourreau. J'ai cru qu'en le punissant pour ses crimes, je rachèterais, qu'on me pardonnerait les atrocités qu'il m'avait forcé à infliger à mon propre. C'est à nous de forger notre destin. Nous ne laisserons pas les ténèbres triompher. Bon. Je comprends à présent. Ah bah c'est con. C'est con, je l'ai acheté... je l'ai acheté 4000 pièces d'or ce truc. Bon, c'est pas grave. Ça fait partie des équipements que j'ai acheté récemment et... Bon, bah c'est pas grave. Du coup, on les obtient plus tard en fait. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je comprends à présent tous ceux qui ont été touchés par la domination ont su puiser dans une force intérieure, noblesse ou désir de vengeance. Cela leur a permis de résister. Après tout ce que j'ai vécu, je dois me rappeler pourquoi je suis ici. Je dois croire que ceux qui sont disposés à tenir aux côtés de Sylvanas feront front avec moi. Je suis prêt à retenter ma chance. Cette fois, je surmonterai toutes les difficultés. Éliminer la monstruosité liée à l'antre et imprégner le dernier éclat. Je vais réessayer. Okay.
chercher la lumière en vous, Grandeur. Je sais que vous avez cette force. Je bouge, c'est parce que je m'attraque ma touche 1 et du coup je veux pas envoyer un trait de l'ombre qui prend 2 secondes. Je vais faire en sorte que je balance un trait de l'ombre dès que je suis en crépuscule en fait. C'est pour ça que je marche. De mon mieux. Beau travail, Antoine. Ce ne sera pas la fin de vos souffrances, mais c'est un début. Nous avons tout ce qu'il nous faut. La complexité de la langue des fondateurs nous a permis de renforcer notre moitié du homme brisé. Et les éclats renferment nos souvenirs, notre volonté de résister à la domination. Quand le primat aura réparé le homme, nous pourrons puiser dans son pouvoir. Je suis conscient du danger, mais c'est notre seul espoir. Rendez-vous dans les oubliettes du runum ancien à Tourment. Ok. Nous repartons à l'assaut de l'antre. Finissons. Je trouvais que c'était stylé de marcher avec eux. Non, par contre, là maintenant, je dois recourir. Oui, non, le renouement ancien, c'est à gauche. À droite, pardon. Ah, sans entrave. Pharmacie vous apprend à fabriquer un vestige de journal. Les composants optionnels. Okay. Quand j'ai créé la domination, je n'ai pas su anticiper la souffrance qu'elle causerait non seulement à l'ombre terre, mais aussi à votre monde. Il est temps de forger à nouveau ce homme, symbole de la magie de domination, et de lui donner un nouveau dessein. Il représentera désormais la puissante volonté des vôtres. Et il vous aidera à surpasser et à vaincre Zoral, forger un nouveau homme de domination. L'heure est venue de réparer ce qui fut brisé. Oula. Ralentir vitesse de déplacement. Et du coup, faut que j'aille. Bah quoi? Placer les éclats. Pourquoi j'arrive pas à cliquer dessus? Qu'est-ce qui vous amène?
La Terre-Mère nous guide tous. J'arrive pas à cliquer dessus. Il doit y avoir un ordre. Parlez, mortel. L'heure est venue de réparer ce qui fut brisé. Ah non, excusez-moi, j'avais pas compris. Faut cliquer au milieu. Okay, et d'accord. Si ce nouveau homme servait lui aussi à servir de pauvres gens. Il va devenir bien plus que ça. Un instrument du libre arbitre. Plus jamais un roi liche ne régnera sur la couronne de glace. Pourquoi j'arrive pas à placer le quatrième élément? Ah mais c'est pas vrai, ça bug, c'est encore buggy. Attendez, j'ai Morgraine qui cache sur brillance, pourquoi? Papa Morgraine, fastidieux. Il y a beaucoup à faire. Mais je piche pas, pourquoi ça bug? Bon, de toute façon, il est l'heure pour moi. Je fais une dernière fois la quête et après il va vraiment falloir que j'y aille. Votre ennemi est implacable. L'heure est venue de réparer ce qui fut brisé. Non, ce morceau-là est buggé. Et si ce nouveau homme servait lui aussi à servir de pauvres gens? Non, il va devenir bien plus que ça. Un instrument du libre arbitre. Plus jamais un roi liche ne régnera sur la couronne de glace. Là, c'est bon. Là c'est bon, je peux le mettre. C'est bon. Placer la moitié du homme brisé, du coup il faut que je récupère celui. Quelles sont les nouvelles? Il est où? Les fers du passé restent lourds. Ah, ok, d'accord. Défier la domination. Soit reforgé
le vecteur de notre suggestion.